Salut tout le monde, ici Doudou, dans Upal 4, dans CrossCode. Et ouais, c'est absolument pas une surprise, puisqu'il y a que CrossCode qui sort à, ce moment-là de la semaine, mais bon. J'ai encore oublié sa voix. You're back, and just in time too. I found a capture device. Yeah, it was super expensive, but it's totally worth it. Did you get the frosted carrot? Very nice. Now we only have to capture this legendary bunny, or whatever people call it. From what I understood, the guys I got my info from said you have to bring the frosted carrot to Windy Climb, je crois. Oh bon. As I said, it's a part of Bergen Trail. Turns out, it was the same part I was attacking. Right? Which means we just have to get the frosted carrot to that place. The guys said just having the capture device and defeating the monster would capture it. So, here you go, take the device. What? Did you think I would go up there again? Never, ever! Come on, you got the carrots too. I'm not really a fighter. It's not because I'm scared or whatever. Tu joues à un MMORPG, t'es censé te battre! Thanks! I know I can do it, but... Oh no, I know you can do it, but prepare yourself. This creature must be super strong. On s'en ira après. Une autre fois. Bon, on va remonter vite fait, on va se faire un peu disquisper en attendant. Bon, la première partie du chemin, c'est même pas la peine. Vous voyez qu'on est presque au niveau 20, là. Voilà, à partir de là, ça va pas respawn. Les boules! Oh, raté! Ça n'a pas respawn. Très bien. C'est con, il y a certaines missions du truc qu'on peut vraiment faire que après avoir terminé le temple de Bergen. Le Temple Mine, le temple de la mine du temple. Oh, je t'ai esquivé, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je vais monter de niveau. Ça y est. Et si on maintenir le combo, tiens. Faut frapper tout ce qui existe. Tu ne me donnes pas d'XP. Ou alors tellement peu. Qu'on n'a pas de montée de niveau, il donne encore de l'XP. I guess someone needs a lesson here. Lui, il sera jamais au cas avec les cacarottes. Oula. Oh, ça m'a soigné, qu'est-ce que tu vas faire? Leave Léa! No!
Never! Oula! On va essayer de rester en combo strike jusqu'en haut. Hein. Avouez, ce serait génial. Petit sandwich. Merci. Les ennemis ils spawnent super vite quand on est en rang S, c'est trop bien. Plus d'ennemis! Toujours plus! Sandwich. Ah, je l'avais pas mangé parce que j'étais en train de faire un bli. Parce que j'étais en train de faire une attaque. Toujours plus! On va voir juste qu'on a fait monter la barre, tiens, ça va être marrant. Est-ce que j'ai pas genre du thé? Mais j'ai du thé, mais j'ai plein de thé! J'en ai acheté des tonnes, je me souviens. J'avais oublié. Parfait. Yes! Level up! Whew! Phew! What a rampage! Bon, allez, on peut aller voir la suite du scénario maintenant, si vous voulez. Bergen Village, Descent to Ottoman's Place. Quoique, j'ai bien envie de faire ça, moi. Comment ça marche? Par où c'est? De quoi est-ce? Ouais. C'est ça. Ouais. Mm-hmm. D'accord. À mon avis... Ah si. I know. Ha! I knew it. Ah!
La merde, c'est censé être quoi ça? Ah, d'accord. J'ai compris. C'est pas des temporaires. Easy. Beaucoup trop facile cette énigme. From RP, eh? Personally, I like watching people move and admiring the view. This is the area right before Bergen Village. People get excited when they realize they're finally at the end of a trip. Seeing the look on their face, there's nothing quite like it. Takes me back to when I climbed the trail for the first time. Yes, I did see you actually. You had a look on your face that said you'd figure out a way to get up here sooner or later. And look where you are now. Well done. Elle est trop contente. Ok, elle disait que... une arme. Elle, là, elle disait que il y a une belle vue ici, mais elle préfère regarder les gens parce qu'ils sont trop contents d'arriver en haut du chemin jusqu'à Bergen. Et que du coup, ça lui rappelle quand elle-même, elle est montée jusqu'ici. Et là, elle était genre, et moi, tu m'as vu? Et voilà, ouais, je t'ai vu, t'avais l'air contente. circuit. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais bon. Non. Attends, inventaire, équipement. Rod Splitter. Level 21. Oui. Ah oui, we made it! La Bergen! After that long climb, I sure wouldn't mind a break with one of those cozy houses. The next dungeon should be close by. I hope they'll let you enter without a huge load of exposition. Oh, trop bien, ils se sont mis face à face pour discuter! J'ai jamais remarqué ça, c'est trop bien. Oh, je peux relaxer, je peux quand même balancer des bouboules. Bonjour. This guy is blocking the storage house again. I wish he would meditate somewhere else, under a waterfall or whatever. To become a true avatar, you first need to master all four elements. The first element, heat, lies ahead in the temple mine. Prepare, it will test your wits before granting you new powers. Wits? Qu'est-ce que ça veut dire? Just water, de l'eau juste. Ou alors c'est que c'est juste de l'eau. Oh, South Chicken. Hello. Hello, welcome to Bergen Village. Good day. Welcome to Bergen Village. What's up? Welcome to Bergen Village. Alex Words. Welcome to Bergen Village. Bye. Welcome to Bergen Village. Le PNJ. Ah, pas les quêtes secondaires, plus tard.
C'est... Elles sont là. Les quêtes secondaires. Mm-hmm. Musée ici. Hi girl, what can I get you? Hi! Hi and no drink. Hi and no drink I know about. En gros, c'est salut Gavin, qu'est-ce que tu veux? Hi! Hi, c'est pas une boisson que je connais. Le PNJ, mais qui est quand même programmé pour savoir ce que tu dis. T'sais. Est-ce que ce mec est à poil? Mais si tu es censé être une femme? Oh hey, Seeker! Hey! You see that house over there? The townsfolk are pretty great about it, but something very strange is going on over here. Some nights I swear I see light coming out of the cracks even though the house has been abandoned for years. Very strange. D'accord, donc elle disait que... What's this small house doing on the side of the river? It must be really inconvenient to live here, having to jump over the water every day. Oh, ça va, t'as eu le saut, c'est rien. Tu sautes à pieds joints. Oh, on peut pas rentrer. Donc oui, elle disait que la maison elle est bizarre. Personne ne parle de la baraque, mais elle a, même si elle est abandonnée, la nuit elle voit de la lumière. Bah voilà, vous voyez tout à l'heure dans l'épisode précédent, Emily nous parlait de la sensibilité que tu peux mettre pour ressentir le froid. Et justement, lui, il disait. Alors attendez. Ouais, j'avais besoin de péter. Donc il disait bon, écoute, je sais qu'on attend des amis, mais pourquoi on doit attendre dehors? Ça caille, tu veux pas rentrer quelque part? Et elle est là. Et là, pourquoi tu te plains du froid alors qu'on est des avatars? Et oui, bah écoute, j'ai mis ma sensibilité au max. Mais pourquoi t'as fait ça et après tu te plains du froid? C'est une question de roleplay. Oublie que j'ai demandé. On peut pas tout ouvrir. Mm-hmm. The Olden Bergen Trail. J'adore cette musique. Voyons voir un peu s'il n'y a pas d'autres trucs à explorer dans cette zone. Et déjà, ils sont forts en platforming dans le jeu. Très fort. Ou alors, c'est un PNJNJ? Un PNJNJ. Tu sais, on dirait que c'est un PNJ, mais fait par NJ. Tu sais, c'est powered by NJ. C'est juste un PNJ. Ce PNJ a été financé par NJ. L'énergie française. Le truc n'a aucun rapport. Ah, bien. Oh. Bon, ça, on les a déjà tous niqués. Donc... Snowman, this one is not alive, right? Hey there, do you like Mr. Cotton Snow here? How nice of you! It took me a while to get him the perfect hat, but it just looks so precious on him. Mrs. Hat. Ça, c'est du PNJNJ, vous voyez. On se rappelle, hein, PNJJ, PNJ joueur, et PNJNJ, PNJ non-joueur. Hein, c'est pour différencier les gens qui sont censés être des personnages qui jouent à Crossworld
et ceux qui sont juste des PNJ dans Crossworld. Hein. Par exemple, Emily, c'est un PNJ Gips. C'est un PNJ de CrossCode, mais dans Crossworld, c'est un joueur. En revanche, elle, c'est un PNJ dans Crossworld. Donc c'est un PNJ NJ. Parce que c'est un personnage non-joueur, non-joueur. Et ouais, vous avez compris. Et donc, j'allais dire, c'est marrant, ils ont inversé leur position par rapport à l'habitude, enfin, par rapport au dialogue habituel. D'accord, donc c'était juste pour dire, ah voilà, The Old Inn. La vieille auberge. Tu parles? Il parle pas. Je sais que ça. Log entry. Oh. C'est bien, ils les ont indiqués comme ça, maintenant c'est mieux. On les voit mieux. Voyons voir un peu ça. Oui, alors. Records. Encyclopédia. Bergen Village. Ah, un petit peu de lore. Alors attendez. Je lis et après je vous explique. Ok, donc Bergen, c'est un petit village enneigé, près du sommet du mont Bergen. Il a été fait à côté du temple des anciens pour le transformer en mine et en exploiter les ressources. Le grand bâtiment au nord du village est une ancienne auberge qui sert maintenant d'hôtel de ville. Temple Mine. D'accord, alors donc le Temple Mine, le Temple de la Mine, est un donjon qui contient le premier élément à obtenir sur la piste des anciens, à savoir la chaleur. Autrefois, c'était une mine, et ça s'est fait contaminer par la technologie des anciens quand les humains ont creusé à l'intérieur d'un ancien temple. Sinon. Log Entry 66. Exécuter l'ordre 66. Expédition au secteur SOS 03. Ça, je sens que ça va être une intrigue intéressante, une intrigue de secondaire. D'accord, donc le log raconte que... La personne qui a écrit ce journal, rapporte qu'elle a trouvé un signal assez étrange, dont complètement baisé, mais dont la fréquence était étrangement binaire. Elle a essayé de l'enregistrer et de le décoder, et elle a trouvé le message d'un vaisseau de guerre appelé le Phénix. Il est complètement démonté par endroit et il manque un gros bout à la fin. Ça va lui prendre beaucoup de temps pour terminer la récupération des données, même si c'est même possible. Voilà. Non, ils sont pas les couilles. Ah oui, je sais ce que c'est ce moment. Bon, on va pas faire le temple maintenant, clairement, donc je pense qu'on va faire les quêtes secondaires, parce qu'on n'a pas assez de temps pour s'occuper du temple maintenant. On va aller chercher les quêtes secondaires. Au moins les prendre, et puis peut-être qu'on les fera plus tard, je sais pas. Donc, le QG. Peut-être qu'on va aller au Town Hall pour voir un petit peu déjà ce qu'on a comme quête à accepter, peut-être. Puis on reviendra là plus tard. Merde! Ça, c'était l'auberge. Ça, c'est le magasin, très bien. Ah oui. Landmark Discovered, The Old Inn.
Voilà. Alors, on peut ça, mais... Digging mates. Sougot. Faudrait qu'il y ait une garde HQ. Building new base. Omni guilders. Le monastère. D'accord, on est trop bien. Mrs. Summer! Hi! Ah, a seeker! It's a pleasure seeing more of your kind here in Bergen. I am Mrs. Summers, holding the position of chairperson in Bergen Trade and Metalwork. Larry! Alas, we should not spend too much time with idle pleasantries. After all, we business people have as much a responsibility to humanity's progress as any soldier. Sadly, some of those among us are more concerned with personal vanities nowadays, but a busy event associates with as those fallen to me, as useless as in my sin. Ah, excusez-moi. J'essaie de comprendre le sens de la phrase. Je vais la relire correctement. But a pleasing event associates such as those falls unto me, as useless as it might seem. You, on the other hand, seem like a diligent young lady. Could I ask you to lighten my burden a bit? Alors, voyons un peu ça, par la Jamie Twerson, au magasin. Excellent! Operation Trockwalker truly shows its worth in all facets of our society. The person in question is called Jimmy Twelson. You should be able to find him in the local eating shop. He wastes his time and the patience of all his colleagues with fruitless fashion experiments. Hopefully you can be of assistance to him so he can finally work towards something more worthwhile. Ok, donc elle expliquait que c'est la chef des trucs de commerce ici. Vous savez, c'est les mêmes que les businessmen, enfin c'est les mêmes que le businessman à Rocky Harbor. Et donc en fait, y a des gens parmi son association qui pensent faire leur gueule. Et il y en a un parmi eux, il fait chier en gros. Et du coup, on doit l'aider à faire finir vite fait ce qu'il fait. Comme c'est l'heure de faire de la merde, il commence à travailler avec les autres. Voilà, globalement, c'est ce qu'il s'est dit. Ah, ah oui! Oh non! Rien d'intéressant. C'est juste une baraque, d'accord, très bien. Juste une petite maison. Ah, on peut aller à la crance centrale ici. Il faut qu'on y aille. Voilà. Ici, parfait, Rookie Arbor. Ok. On est fermé. J'adore faire ça. En access denied. Donc, retournons à Bergen. Ça fait toujours aussi mal aux yeux, ça. Du coup...
par où? Ah, c'est là. Hello player, and welcome to the Omni Guilders. We are a guild of traders who try to extend their reach through offering players simple quests. And I'm a humble general, kind of a manager for the guild. Ooh. Yes, yes. May I interest you in said quest? Well, indeed. Here we go. Buckshell, Rockbeak. Templeman in Bergen Trail. No need to come back to me, by the way. Ah, c'est bien ça. The items will be transferred here as soon as you find them. Ok, donc il m'a donné une quête il expliquait qu'en gros ils sont une guilde de marchands, ils veulent s'étendre en demandant de l'aide aux autres joueurs, et donc il m'a donné une quête pour récupérer des matériaux et j'ai pas besoin de le revoir pour rendre la quête. D'accord, c'est juste, il parle dans entre guildes. I'm currently away from keywords running some errands. We'll be back later. Ah, trop bien ce que ça fait quand t'es AFK. Sorry, but I can't let you through there. Not through here. Ok, très bien. Non. Oui, bah si, de toute façon, faut que j'aille par là. Non. Ah bah non, je peux pas. Oui, et là on est déjà allé, très bien. Ensuite, cette quête-là. Hey! Well, what do we have here? Another seeker, hein? Got a lot of your king marching into me again, with that first station of the track being here. Many of you even offer some assistance to us, being all do-goody and well intentioned, I suppose. But can just anyone with a fancy title do real police work and face the worst of humanity? I doubt it. You want to prove me wrong, eh? Alright then, I got a nice and simple pretty style for you. Le bébé chèvre. Okay then, I want you to take care of his dwarf goat and that is annoying the good citizens of Bergen. Yes, catching it might sound simple, but it's very quick and likes to climb to higher places. It's stealing food, shiny stuff, and everyone's time, but I don't want to waste a manpower of it. Besides, it does sound like ideal seeker work, eh? So you better show me your worth. At the spirit, you should be able to find it somewhere on the rooftops of Bergen. Happy climbing! Bye! La violence. Et t'es là, il y a tout le temps des explorateurs qui viennent dans ma ville et tout. C'est la merde. Ils sont toujours là, ouais, on va vous aider et tout, mais est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire du boulot? Hein, quoi, tu veux me prouver le contraire? Ok, va chercher le bébé chèvre qui fait chier tous les habitants de la ville. Du coup, bon, on va chercher le bébé chèvre qui fait chier tous les habitants de la ville. Voilà, c'est la sortie de Bergen. Oh, c'est comme ça qu'on accède à cet endroit. Putain, j'ai sauté, je m'en suis même pas rendu compte. Ce jeu est fluide, hein. C'est bien, c'est cool.
Nah, je suis tombé. Bon, elle est où cette chèvre? Où est la chèvre? Par là. Bergen, village tranquille sur la montagne. Où est cette putain de chèvre? Cherchera plus tard, peut-être. Oui, bonjour. Foolish people have angered the track in their search for riches, but now the mountain is restless and cries to cast us away while its icy breath. But remember this, seeker, the track respects those that beat its challenges according to the traditions. Thus, if you are deemed worthy, it will arm you with the power needed to face your obstacles. D'accord. En gros, raconter que si tu passes les épreuves de la voix des anciens, la voix des anciens te respecte. Et elle te donne du pouvoir. Si. Hey! Qu'est-ce que c'est que ce personnage de manga? Ah, a new player! About to enter the dungeon, aren't you? I already beat it! Do you want me to give you a little piece of insight? No! Hey, fine. Don't worry, I wasn't planning to spoil things for you. Il reste des quêtes à prendre ou pas? Oui. Digging Mate HQ. Ah oui, ça je sais où c'est. Bon, on en est où? 38 minutes. Il nous reste 3 minutes de batterie. Très bien. Oh, c'est là. Ouais, c'est là. Reception event is in the room to the left. It's about to start. Très bien. Et ici, on s'en fout. Ah, attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Hi! Yes, hello. Nice to meet you and all. Let me take a wild guess. You are probably wondering why this handsome little bug suddenly started talking to you. It's like nobody in this world ever saw a half-decent artifact. To be fair, it seems like a convenient bag of infinite holding like me isn't needed here. From what I saw, everyone's just collecting those small chips that magically pop out of monstrous plants and everything. Back in my day, people collected real things. Heavy things. Things you could not just shrink into nothingness. And then they shoved it all into me. Yes, those were the days. Now, if you don't mind, I'd like to continue my lab in this cozy little storage room. Bye! Okay, c'est parti. Dear Seekers, welcome to Bergen! As the mayor of this town, it's always honor me to see so many visitors arriving day after day. Of course, that's because this town's mine has become a part of the ancient strike. Now, since some of you look rather confused, allow me to quickly explain. It happened several years ago. Bergen was founded due to the mining activities in this area. After some time, we discover a temple of the ancients,
hidden inside the mountain, right at a mining location. At the time, we saw it merely as an obstacle. So we continued our mining endeavor, destroying the temple in the process. That was until the Trek started to fight back. After a series of attacks, we were first to give up the mine. With the mine conquered by the Trek, it started to reconstruct the town, the temple, based on our own infrastructure. And that's how the temple mine was born. Now, why do I tell you all this? Bergen supports Project Trek Walker, so of course we will give you access to the mine. However, we plan to get back into the mining business. When we lost the mine, we also lost equipment and technical documentation still hidden inside of it. All we ask of you is to recover those things for us as you traverse the Temple Mine. For more information, please consult the advisors on the ground floor. With that being said, I'll now gladly give you the pass to the Temple Mine. Thank you very much for your attention and good luck on your journey. Oui, oui, the greed of humankind. No respect for all of the ancient holy grounds, yada yada. Certainly heard that one before. Eh. Yada yada. Vous êtes sérieux avec vos onomatopées japonaises? Bon, donc il expliquait que, en gros, le temple de la mine, en gros, c'est ils ont miné, et puis ils sont tombés sur un temple, ils l'ont traversé, et puis le temple il a attaqué, et il a possédé la mine, il les a obligés à l'abandonner, et il en a fait le nouveau temple. Et du coup, ils ont perdu des documents et du bordel dans la mine, et en même temps qu'on fait le temple, ils veulent qu'on récupère tout le bordel et toutes les données, et ils nous ont donné la clé d'accès. Et quant au truc, en fait, c'était un sac, et genre, c'est un sac, vous savez, un sac à fond infini. Et il était là, autrefois, dans ce jeu, fallait prendre des vrais objets, et puis maintenant, bah, c'est juste des machins qui disparaissent dans le néant. Alors, laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, c'était Doudou, salut!